Que je quitte la ferme pour réaliser mon plus grand rêve, devenir une vedette comme vous. Je sais pas encore comment je vais le réaliser, mais ce que je sais au plus profond de moi, c'est que j'ai full besoin d'être le centre d'attention, puis je trouve ça plate quand les autres parlent. Je veux plus être à Saint-Hyacinthe, ça sent le purin, mais il y a aussi des aspects négatifs, là. T'as bien raison, Rosalie. Ta place est avec moi. En ville! En ville! Wow! Vous êtes capable de parler? Ben non, t'as juste sniffé ton crayon feu trop longtemps. Hop! Commandante, Rosalie! Le showbiz t'attend. Le premier shooter, il est sous mon bras, puis le deuxième, il est dans mon nombril! Nombril! Vous allez voir Madame Galaxie à Saint-Michel. Un jour, je vais devenir une aussi grande vedette que vous. Puis un autre jour, je vais devenir la plus grande vedette du monde. Puis même du Québec. Oh, j'ai tellement hâte, ça me donne envie de chanter! À moi les prix et les galas. Je veux des bidets dans mes 400 villas. Adieu la ferme et les cochons. Je pars grimper les échelons. Je m'en vais d'ici, moi Rosalie. Y a juste à mon père à qui je l'ai pas dit. Acte 1, le début. Qu'est-ce que je l'aime, ma ferme! Papa, il faut qu'on se parle. Hey, je suis en train de regarder dans le vide. Moi, de poignée pour recommencer au début. Papa, je pars. Tu pars une brassée? Good. Papa, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre pour laver tes caleçons et pour traire les chevaux aussi. Parce que aujourd'hui, je pars pour devenir connue à Montréal. Non, Montréal, voyons, tu peux pas aller là. C'est le Drummondville des pauvres, ça. Inquiète-toi pas, papa, j'ai un plan infaillible. Pose-moi n'importe quelle question. Où c'est que tu vas dormir? Dans un magasin matelas la nuit. Tu vas manger quoi? Je vais me faire tatouer un bracelet de buffet comme dans les tout-inclus. OK, où c'est que tu vas te laver? Dans un magasin de douche la nuit. T'as pensé à tout, hein? Ça veut dire que ça fait des mois que tu me joues dans le dos! Papa, tu peux pas m'obliger à rester! Je suis plus un bébé! J'ai de la barbe sur mes couilles maintenant! Rosalie, t'as 7 ans, tu fais ce que je te dis! J'ai pas 7 ans, papa, j'ai genre 27 ans! 27? Ben ça veut dire que tu me dois 10 ans de loyer pis t'es mieux de me payer, sinon m'a appelé mes chums d'un chevalier de colomb pis on va te varger! Désolé, papa, il est trop tard. Je pars! Non, Rosalie, tu restes 7. Rosalie, trace de break, veille en cours! Adieu, papa! Reste ici! Désolée, il est trop tard, papa! Des très gros manteaux de fourrure puis avoir des chiens dans ma sacoche. Ou je vais pouvoir publier un post raciste puis devoir m'excuser publiquement après. Je pourrais même m'acheter un restaurant thématique Moulin Rouge puis faire faillite dans 6 mois. Dans tous les bénis et compagnie. Aux émissions de fin de soirée pour montrer mon nouveau-né. Moi, Rosalie, je suis ici.
C'est le premier jour du reste de ma vie. N'importe quoi.